Il est 9h du mat, il est super tard. On est au pied de l'église de Belleville. Je vais aller prendre des sous parce que c'est la brocante du village Popincourt. Et du coup, je veux aller voir ce qu'il y a. Bon, après, on y va tard, là, c'est vraiment... La petite s'est réveillée tard. Moi, tranquillou aussi, en même temps qu'elle. Donc, bon, à mon avis, il n'y aura rien du tout. Mais c'est pas mal. Donc, on va reprendre le métro à Jourdain. Tu dis bonjour. Salut. Voilà, on va reprendre le métro à Jourdain et puis on va aller voir ce qu'il y a. Allez, à tout de suite. C'est sympa, Paris. Ça y est, on est arrivé. Bah ça y est, on est vraiment à la sortie. Il y a une crèche, il y a tout. Il y a du bifon. Allez, on va chercher des sous là. Bon allez, on va regarder. Je vais commencer par la partie vide-grenier. Parce que là c'est sympa, mais c'est du... Le déballage pro et les déballages pro parisiens. Pas si cher. Que ce soit vinyle, que ce soit objet. Il y a beaucoup de gens qui mélangent en plus vieux trucs, trucs beaucoup retapés ou même réédition. Et puis voilà, c'est la moindre chaise à 40 balles. Donc, c'est pas trop par là qu'on va commencer. Allez hop. On va voir s'il y a des trucs plus chouettes dans la partie vide-grenier. Et oui, j'ai un beau panier. Parce que je l'ai lu chez les gens du voyage. Donc d'ailleurs, si vous voulez des paniers, il faut me dire. Parce que dans la communauté, il y a 3 personnes qui fabriquent des paniers. Et du coup, ça fait toujours un peu de sous. Voilà. Allez. Bon. Que du gadget. Ouais, le monsieur, il est à la brocante de Botzaris. Marge Simpson, 6 euros. Et du coup, il y avait pas mal de trucs. Un joli petit pichet gitane. Objet de bistrot, bon, c'est un peu cher pour ma bourse, 25 euros le pichet gitane, mais c'est un Saint Clément et il est propre quoi, c'est joli, c'est des beaux trucs. Voilà, donc si vous voulez tourner le monsieur dans Paris, ça va, c'est du prix correct, c'est pas donné, mais ça va. C'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir tout pour rien, c'est un autre problème, mais... Allez, on continue. Un peu de fringues, il y a quoi là? Bonjour, tout là. Ah, un pot en Bresse. Ah, c'est de la Bresse. Vous vendez combien, madame, le pot en Bresse? C'est quoi? Ah, c'est des formats chapeaux. Non, les potes. Si vous avez sa sœur, je vais bien les prendre. Non, 10 trop cher. Allez, on continue. Merci. Tiens, ça c'est sympa, mais il faut le petit hachoir qui va avec. Allez, on continue. Ouais, c'est cher rose quand même. Hein. C'est pas donné. Parce que c'est d'occasion. Voilà, allez, on va regarder. Une bougie, non. Voilà des fringues. Ouais, on continue. Ouais, je rallume, c'est un truc intéressant. Ouais, je crois que ça va faire comme à Bozzari, ça aura rien pour nous. Hein. Tant pis, on va regarder encore. De toute façon, on y est, on a pris le métro. Je rallume si je trouve un truc. Il n'y a rien de dingo, un petit vinaigrier, mais c'est pas un vieux. On n'a pas besoin de tout ça. Allez. Allez, on continue. On continue. Vas-y. Sargumine. Ouais, bon. On va aller voir là-bas. Bon, je vais pas vous faire tout le détail, je rallume vraiment quand je vois des trucs cool. Vous voulez filmer les agrins? Il y a un monsieur, il vient d'acheter un joli petit plat de pharmacie. Oh, ça servait pour plein de choses. Jardinière. Ouais, jardinière, mais j'en ai vu utiliser aussi en médecine 18e. Enfin bon, bref, c'est du Nevers 18e. Ouais. Il est joli, il a des belles agrafes. 8 euros le monsieur, il l'a payé. Bah, ça, c'est une belle pièce. Ah, pas tant que ça, réparé en plus 19e, donc non. Voilà, une petite réparation. Donc, il y a les caractéristiques, il y a un beau décor bleu et blanc 18e. Ouais. Belle pièce, bravo monsieur. Très joli.
Voilà. Ça, personne n'en veut de ces trucs-là. Oui, c'est plus du tout la mode, mais c'est le moment de les acheter. Moi aussi, j'adore les vieilles faïences. Et... Voilà, cinquième que j'ai acheté. Non, c'est chouette. Voilà. Bah, bravo. Bonne journée. De vos merci. Encouragements. Faut qu'on continue à acheter de la vieille porcelaine. Si vous avez besoin de faisans et de perdrix, il y en a. Bon, moi, j'ai rien trouvé. Ouais. Je crois que le seul achat qui était cool pour moi, il a déjà été vendu. Donc, du coup, tant pis. Oh, c'est joli. Mais bon, c'est des trucs, voilà, tout retapé déjà. On peut rien à faire là-dessus. Là, c'est pas du brut, là, c'est de l'arbre retouché, rebidouillé. Mais bon, il y a quand même des trucs. Vous avez vu le plan en inverse, sympa. Le téléphone. Je vais regarder tout ça. Un petit peu de téléphone de campagne. Mais bon, c'est tout du après-guerre, ça. Mais c'est sympa. Peut-être celui-là ? Non, non plus. Non, c'est que de la sangle nylon, donc ça, c'est tout après-guerre. C'est marrant. Madame ? C'est la dame là-bas. Elle est où ? Madame ? Ah, monsieur, c'est vous, là ? Non, c'est la dame. Bonjour, madame. C'est combien la petite voiture de course ? Je voulais connaître, s'il vous plaît, le prix de la petite voiture. La voiture fait 45. 45. Ah ouais, bon bah tant pis. Ok, merci. 45, non. Ouais, je sais, mais même c'est... Non, mais c'est ça, c'est... Je sais. Hop. Je sais que c'est pour la collection, mais juste 45 balles sans la boîte, sans rien, c'est... Enfin bref, moi, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, ben, il est trop cher. Des petits bouffées, des trucs. Un peu de licence. Oh, les petits pichets sont marrants. Il y a les petits pichets. Bonjour. Et bonjour. Ils sont jolis vos pichets. Vous les vendez combien les pichets blancs et rouges? À la. Pas juste à la pièce, hein, parce que. Tom, c'est combien celui-là? C'est 30 euros. Le grand, d'accord. Et le petit, 30. Bon. À la ouais, bon. Prenez ça tout, marche. Je fais 100. D'accord. Non, non, j'en veux rien. Merci. Hop, on regarde, il y a des trucs. Les bols, ils sont mignons aussi. Les bols sont cool. Bon, allez hop, on continue. Hop, pardon. Merci. Ah, mais voilà. 30 balles. 45 balles la bagnole, 30 balles le pot. Truc qu'on trouve encore pour une maïs. Ah zut, on est derrière la jardinière. Faut que je redouble, monsieur. On a les mêmes goûts. J'avance. Bon là il y a des trucs. Déjà ça, ça me fait de l'œil. Genre c'est 100 balles. Mais il y a l'édition originale. Je crois que c'est la deuxième édition où c'est à Amsterdam et pas à La Haye. C'est chouette, de l'Émile ou l'éducation. Il n'y a que 3 tomes, il me semble qu'il y en a 4. Et il y a aussi une vieille édition des provinciales de Pascal. À 40 balles. Il peut nous faire un prix. Oui. Mais bon, c'est trop cher pour moi. Ça c'est super chouette. Bah ouais mon cœur. Ça, c'était le petit fascicule qui avait été créé pour les enfants par le ministère de la Guerre et l'Éducation nationale, juste en 1939, à la déclaration de guerre pour la rentrée d'octobre. Donc ça date de la drôle de guerre. Et le monsieur, il a plein de trucs, il y a des vieux Tintins, mais bon, les Tintins doivent être un peu chers parce que les gens les reposent. Et sinon, il y avait ça. Je me tâte à en payer une pour montrer quand je fais le chapitre, en fait, quand je fais le chapitre sur la révolution industrielle, pour carrément leur montrer une petite machine à vapeur qui fonctionne. Il y en a quelques-unes qui sont complètes, qui ont un petit sifflet, qui ont tout, et elles sont à 20 balles, donc c'est pas cher du tout, quoi. Ça, c'est sympa aussi. Regardez. Le monsieur dit qu'il les a trouvés boulevard Saint-Michel. Mais bon, 100 euros pièce, quoi. Donc ça, c'est pas... Dommage, là, moi, il me faut une subvention. Donc normalement, il a 48 étoiles. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 8, 48, donc c'est bien un drapeau à seconde guerre. Bon, en tout cas, ils se sont pas plantés. Après, ils ont pu le faire avec du tissu ancien, mais ils sont jolis, ils ont une bonne gueule, quoi. Ça, dans une salle, ça serait bien cool, quoi. Bon, bref, il y a des trucs chouettes. Les lettres, sont à combien ? Vieux Playmobil. Les drapeaux, ils sont vraiment chouettes, mais oui. C'est trop beau. Bah, ça, au fond de ma salle, oh, les cheminots, c'est marrant. Ben oui.
Bon, je réfléchis. C'était 20 euros 15. C'était 20 euros. T'as fait là-dessus quand même 15. Je vais demander. Le bouquin de la drôle de guerre, c'est 20 euros. L'album, celui sur les avions, là, l'alerte aux avions. Oh, pardon. Ah, une canne à pêche en bambou. 20 euros pièce. Non, non. Ouais, celui qui est là. Minimum 20 euros. Les deux ? Non, 20 euros les deux. 20 euros pièce. 40, 35 euros les deux. Canne à mouche. Ouais, ah, il manque un morceau, j'ai pas de la vente, il manque un morceau. Faut que je retrouve le brin qui manque. Bah après ça se trouve hein. Si ça se remonte en une, si vous mettez une bague en cuivre ou en laiton, ça se refait. Après ça c'est incroyable, puis on peut toujours faire les ligatures. Des fois les anneaux ils se détachent pour faire les ligatures, mais c'est cool. Oui, c'était le bouquin là-bas. Bon. Ah, ouais, celui-là, ouais. Ah, 20 balles, ouais. 20 balles, ouais. Bon, ouais, je réfléchis, je repasse. Merci. Ah, pour l'histoire qui réfléchit, c'est normal. Bah, au prix où on est payé, moi, c'est 2000 net. Hein. Dans Paris, je mange pas à peine à ma faim. Allez, on continue. Ah, mais... Le monsieur, il a des trucs chouettes. Puis ça va, les prix sont corrects. Pour un pro, c'est pas... Pour un pro, c'est pas affreux. On va demander, il y a une marche Thompson. Je vais demander. Bonjour madame. Oh pardon. Bonjour. C'est vous ? C'était pour connaître le prix de la marche Simpson. T'aimes bien ? 8 euros. 8 euros ? D'accord. Oh. Hop, allez, on continue, babes. On y va. Toc. Ouais. Oui. Toc, toc, toc. Oh, pardon, c'est moi, je passe juste derrière vous. Merci. Ah, mon panier, merde. Zut. Je vais paumer le panier. J'ai retrouvé, je l'avais laissé sur le stand du monsieur. Je lui ai dit, je me sentais à poil, mais en fait, oui, j'avais pas le panier. Bon, bah, dis donc, il y en a des trucs là. Ah, allez. Ouais, ça me pouvait vous. En fait, c'est pas des prix, franchement. 20 balles la machine à vapeur. Enfin, c'était 30, mais il me l'a fait à 20. Le bouquin, c'était 30, mais il me le fait à 20. C'est vrai que c'est des trucs en bouquiniste, ça vaut plus cher. Les 1000 et l'éducation, 40 balles, même s'il manque un tome, en fait, ça, c'est un truc qui vaut 300 ou 400. Oh, pardon. 300 ou 400 balles neuf, donc. Non, ça vaudrait carrément le coup, quoi. Mais bon, quand on n'a pas de sous, on n'a pas de sous. Allez, je continue. Ouais, je viens de prendre ça pour 10 euros, des petites perles. Peut-être deux fouilles, on sait pas. Mais elles sont marrantes. Voilà, hop, il y a un bout. Merde, ça commence à se. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la frite. Bah, merci beaucoup, c'est monsieur. Et le monsieur, il a de jolis objets. Et alors, il avait. Tiens, ça, je vais le montrer parce que je crois pas que je l'ai déjà montré. Un petit. Des ciseaux à bétel. Ah, elle attrape. Elle veut déjà mettre un coquille ? Des petits ciseaux à bétel. Petite pince. Attrape pas, je vais me mettre là. Voilà. J'avais vu à Bozzari, c'est à la cour de Vincennes. Et le monsieur, il l'avait acheté 2 euros alors que moi, ça avait démarré à 10, après 7. Mais bon, c'était un bon achat, bravo. Bon, allez, hop, c'est bon, on n'embête plus. Il y a des beaux objets en ivoire. Tiens, il y avait une jolie croix éthiopienne aussi. Voilà, des jolis objets en argent. Bah, merci. C'était le petit stand de façon de plus. Hein. J'ai demandé la chaise jaune, 10 balles, ça allait, mais je vais m'écrouler en fait. Il y a un pied qui est tordu et c'était une tôle qui était pas ouf. Bah, oui, tu commences à en avoir ras-le-bol, t'as faim, il va être midi, on va aller manger. Allez, je rallume si vraiment je trouve un truc intéressant. Ouais, ça me fait marrer parce qu'il y avait un mec qui a acheté de l'argent avec carrément une petite balance. Genre, il pesait les objets. Enfin, on sent que c'est propre et ça me fait marrer parce que là, ici, leur stand, c'est vraiment le stand de jeunes vendeurs de puces. Les deux gars, ils sont ultra lookés avec le stand ultra looké. C'est de prix pas non plus, c'est pas donné, mais c'est. C'est juste que ça me fait. Enfin. Genre 20 balles le tiroir à outils, c'est voilà, c'est vrai que c'est au plus de Saint-Ouen, ça va être à 40. Mais bon, c'est pas donné non plus. Puis surtout, c'est tellement travaillé, la mise en scène, le truc, tous les objets, ils sont passés à la popote. Bon, c'est pas vraiment ce que je cherche en brocante. Voilà. Bon, après, ils ont toujours des super clientes. Ouais, bon. Là, elle est interminable en fait, il y en a partout.
Après, il y a très joli, il y a du truc vraiment, il y a des stands avec des trucs de qualité. C'est cool. Bon, il y a évidemment des mecs qui mélangent déco et antiquité. Mais du coup, non, il y a des trucs. Et là, je commence à en avoir un peu ras-le-bol. On avait démarré à 9h, il est plus de midi. Alors, je sais pas comment, il y a des centaines d'expos. C'est la braderie de Lille, le truc. On va repasser dans le côté un peu débrouillou. Voilà. Non, j'ai beaucoup de... Alors, je vois les nouvelles tendances. Bon, le bistrot, là, c'est l'explosion. Puis, alors, c'est 30 balles le moindre pichet. C'est délirant. Et après, ouais, j'ai vu un pichet en Betschdorf, années 30, tout bête, là. Le même que celui de la vidéo Emmaüs. Et en fait, il était super rush, enfin 35 balles. Voilà, donc c'est du prix du parisien de chez parisien. Mais bon, pour le moment, rien de fou. Donc, on se promène. Oh, pardon, il fait beau, je rentre dans les gens. Je voulais faire gaffe. Mais du coup, non, c'est au moins, ça a fait de belles images, quoi. Puis c'était sympa, le plat du monsieur, c'était un bel objet. On voit des trucs. Oh, j'avais le même petit élan quand j'étais petit, d'ailleurs. Mon fils l'a toujours. Voilà. Non, non, il y a des trucs. 5€, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. 5€. Non, ça c'est visionnaise. Ah, voilà. C'est une visionnaise pour le Super 8, exactement. Je vais me fâcher. Ça plane. Le vieux bouquin. Oups, là. Bah ouais, J'ai plus le courage. Avec la petite, je regarde jamais les bouquins. C'est dommage, mais bon, je peux plus. C'est trop dur. Les livres, on est stationnaire, on bidouille. Je vois déjà chez Emmaüs, c'est du rail alors qu'ils sont bien rangés en bibliothèque. Alors là, sur les tables ou dans les bacs, elle cherche à attraper. C'est infaisable les bouquins. Bon. Oh là là, la belle gamelle. Toc, on voit. 15 balles les standards, hein. Cognac biscuit et tout, jusqu'à 20 balles. Allez, on continue. Je suis revenu les voir, il y a aussi un drapeau. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'était avec, d'après le monsieur. À peu près fait dans le même tissu. C'est AFSA. A-S-F-S-A. Je sais pas du tout ce que c'est. HBB. Voilà, très bizarre. Voilà. A-S-F-S-A. Donc il y a peut-être un réseau, je sais pas du tout. À voir, mais vraiment chouette. Oui. Ouais. Je filme le monsieur qui filme le phonographe qui tourne. C'était quoi comme disque? C'est ça qui est joué. Ouais, mais après, ça, les aiguilles, ça flingue les disques. C'est dommage, mais non. C'est l'aiguille qui fait ça? Non, mais petit à petit, ouais, l'aiguille, ça bousille les disques. Ah bah, on va faire avec l'aiguille, j'en ai des aiguilles. Ah, c'est l'aiguille. Ouais, même, c'est l'aiguille, c'est l'usage, c'est un système qui est chouette, mais petit à petit, ça mange le disque. Mais chouette. Bah, joli, merci. C'est sympa de voir un vrai phono en fonctionnement. Y'a quoi là-bas? Des joujoux! Toc, t'as vu le petit piano? Tu peux voir? Tu vas regarder. C'est le dernier prix. Regardez, le monsieur il me le fait à 10, c'est cool. C'est le stand que je suis déjà passé tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs bistro. Le? Le quoi, le Sika? Ouais, mais ils sont moches, moi je veux la grenouille. Je cherche la grenouille, le gel à goutte, là, le vert. Ouais, mais le 6K, il m'excite moins. Moi je l'ai revendu au mec qui je l'ai acheté, je lui ai rendu 35€, il a pas pu me le racheter. Ouais? C'est la vie. Bon allez, moi je vais donner mes 10 balles, mais je prends mon petit pichet. Allez, prenez le water. Il est cool, il est joli. Ouais. Vous voulez acheter cette lampe? 35, elle est jolie. Elle est en quoi? Oh, c'est pas du lait. Ah non, ouais non, je sais pas, c'est un métal. Non, c'est pas du lait. Non. Bref, vous pouvez faire 25 à la dame. Je fais les prix. Je fais les prix pour vous. Ouais. J'étais content avec mon pichet à 10 balles, j'ai fait un peu le forceur, je suis désolé, j'ai filmé la pauvre demoiselle, je sais même plus si je demande quoi ou qu'est-ce. Parce qu'en fait elle est arrivée pendant le film et bon, je le dis direct quoi. Mais après, ouais, vous avez vu, il y avait des trucs, bon c'est des prix pas donnés, vous voyez la République.
Mais ça passe, quoi. C'est pas... C'était sympa, c'était un bon déballage, il y avait plein de trucs. Je pense que je travaillais plus tôt, j'aurais pu rentrer des objets. Voilà. On a quand même une boule pour la petite, le joli petit pot en faïence White Horse, et puis je vais en montrer là, quand je serai assis, les petites perles que je pense être des perles de fouille égyptiennes. Il n'y a pas trop de doute. Il y en a certaines qui sont bien collées ensemble, il y en a même qui sont collées de traviole. Donc ça, c'est des gens qui récupèrent dans les tombes et qui se font des petits colliers avec. Voilà, bon, tout ça à 10 euros. Moi, je vais le mettre avec mes perles et puis c'est quand même un petit objet sympa. Je vais vous le montrer. Je te la donne, mais tu la jettes pas, hein. Tu la jettes pas, bébé. Je te la donne, mais tu la jettes pas, hein. Tu la jettes pas, bébé. Qu'est-ce que tu fais, tu joues au basket? Tu la jettes pas, hein. Ah bah non, bébé. Oh, loup. Arrête. Bon, je vous le remontre mieux. On voit bien les perles irrégulières, c'est bien de la frite. Bon, antique ou pas, difficile de trancher. Mais en tout cas, bon, pour 10 balles, ça va, ça ira avec les amulettes, l'autre truc. C'est de, en plus, très fragile, vous voyez, il y en a qui se décollent, et puis il y en avait une qui était collée en biais, donc ça avance plutôt vers l'idée d'un... vers l'idée, en fait, d'un collier, dont une bonne partie... Enfin, en tout cas, dont les perles ont été récupérées dans le sable, quoi, dans une tombe. Et puis après, bon, l'autre achat, c'était le petit pichet White Horse, qui est très bien. Et surtout, oui, il faut prendre avec des bons marquages. Il ne faut pas acheter ceux où le Saint-Clément le voit mal, où il y a des doutes, parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions dès les années 90. Donc, il faut prendre des beaux. Voilà, celui-là, il est bien fait, il est joli. On voit bien que c'est la couverte Moulin des Loups. Il a une belle forme. Et puis, à 10 balles, c'est classe. Voilà. Oui, je prends des bananes bio. Allez, bon, bah, 20 balles de dépensées, ça va. Beaucoup de jolies images. Donc, bonne brocante, je dirais. Ça roule. Prochaine fois, on se lèvera plus tôt si on veut faire vraiment des grosses affaires. Tu viens des brocantes ou des Emmaüs? Bon, sauf la nourriture.